Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire simplement pour gagner un peu d'argent sur YouTube, même si vous avez un job, même si vous ne voulez pas montrer votre visage. Donc voici toutes les étapes à suivre. L'étape numéro 1, c'est d'abord de créer la structure légale. Vous allez aller sur le site de l'URSSAF et vous mettre raccord avec le fisc en créant une micro-entreprise, hein, c'est comme ça qu'on appelle l'auto-entreprise. Donc ça, c'est une formalité qui va vous prendre, allez, 30 minutes. Il vous faut juste votre numéro de sécurité sociale. Vous créez votre micro-entreprise et quelques semaines après, vous allez recevoir par courrier votre numéro de SIRET. Donc une formalité qui est très simple. C'est une structure qui est très peu fiscalisée et surtout, si vous faites zéro gain, eh bien vous payez zéro impôt puisque c'est un pourcentage sur les ventes. C'est donc une formule qui est hyper simple en matière comptable. Pas besoin d'expert comptable pour créer cela. C'est vraiment le truc parfait pour créer un petit business à côté de votre emploi. Une fois que vous avez créé votre micro-entreprise, eh bien vous pouvez ouvrir un compte bancaire professionnel. Aujourd'hui, il y a des solutions en ligne avec les néobanques qui sont vraiment très économiques pour se créer un compte, avec par exemple Conto, qui est une banque en ligne française. Vous avez également Boursorama Banque qui a créé une offre spéciale auto-entrepreneur qui est vraiment pas chère. Donc là, vous êtes nickel niveau fisc. Vous pouvez rester salarié, continuer à cotiser à votre régime de sécurité sociale et de retraite, il n'y a aucun problème. Ce que vous allez ensuite faire, c'est trouver une thématique dans laquelle on vend des bouquins qui sont ciblés. Donc ça, c'est l'étape 2. Trouver une thématique ciblée dans laquelle on vend des livres. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va sur Amazon. Et on cherche un petit peu. Sur Amazon, vous avez la liste des meilleures ventes. Donc souvent, c'est des romans, genre romans d'amour ou romans d'horreur. Voilà, en rouge, sanguinolent. Romans d'amour, romans d'horreur, mais il ne faut pas négliger aussi d'autres thématiques, comme par exemple les thématiques loisirs très spécialisées dans lesquelles les gens vont acheter de la documentation. Par exemple, le golf. Évidemment, il va se vendre moins de guides sur le golf que de romans d'amour. Mais si vous réussissez à cibler spécifiquement les golfeurs, eux, ils sont très demandeurs de techniques pour progresser au golf et donc ils sont très demandeurs de bouquins. Donc, il faut bien réfléchir à avoir une thématique qui n'est pas forcément la plus large, mais qui est une thématique dans laquelle vous pouvez créer du lien avec une audience qui est qualifiée, qui est intéressée. Donc, vous faites vos petites recherches sur Amazon pour trouver votre thématique. Et ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez aller sur YouTube. Et vous allez créer votre chaîne YouTube qui va tourner autour des livres de cette thématique. Donc, vous allez créer une chaîne qui va s'appeler par exemple « Fiches de lecture golf ». Voilà. Mes fiches de lecture golf. Fiches de lecture de point golf. Et qu'est-ce que vous allez proposer sur cette chaîne? Des résumés de tous les bouquins de golf que vous achetez. Même de tous les bouquins qui peuvent tourner autour du golf, c'est-à-dire la psychologie du sportif, les méthodes d'entraînement, la nutrition. Tout ça, ça peut aussi intéresser les golfeurs. Il y a plein de livres sur le sujet, surtout si en plus de ça, vous êtes capable de lire en anglophone. Et donc, je vous ai dit que vous n'aurez pas besoin de montrer votre visage. Vous allez donc utiliser un outil qui s'appelle VideoScribe pour créer vos vidéos. VideoScribe, c'est un outil qui permet de faire de la vidéo qui est rythmée, qui est sympa. Et en fait, on voit sur fond blanc une espèce de main qui écrit. Donc, vous pouvez rajouter des petits dessins, des petites animations, des petits graphiques, écrire les messages clés et c'est assez rythmé. Et on peut comme ça créer des vidéos qui cartonnent. Il y a vraiment des gens qui font des vidéos, ce qu'on appelle no face, donc des vidéos dans lesquelles on ne montre pas son visage en utilisant ce genre de petit logiciel d'animation. Donc, vous avez VideoScribe qui existe. Vous en avez aussi un autre qui s'appelle Vyond, V-Y-O-N-D. Viande, c'est un petit logiciel qui vous permet de créer des petits dessins animés et de faire ainsi des vidéos très très sympas. Et vous allez faire la fiche de lecture du bouquin, donc le résumé du livre. Vous allez expliquer de quoi parle le livre, les points clés, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, etc. etc. Et vous allez finir votre vidéo en mettant un lien affilié pour l'acheter sur Amazon. Un lien affilié pour acheter le bouquin sur Amazon. Donc pour ça, il faut vous inscrire au programme d'affiliation Amazon. C'est très facile à faire. Vous tapez « Programme affiliation » sur Google, vous vous inscrivez. Et en fait, à chaque fois que vous allez présenter un livre, vous allez récupérer le lien affilié sur Amazon et le rajouter dans la description de votre vidéo YouTube. Donc, si vous faites la fiche de lecture du grand livre, du grand dictionnaire Larousse sur le golf, voilà, vous faites votre petite vidéo explicative qui explique les plus, les moins, qui explique pourquoi le livre est intéressant, comment le livre peut aider les gens à progresser, les messages clés du livre. Et vous incitez les gens ensuite à aller dans la description, à cliquer sur le lien affilié. Les gens arrivent sur Amazon,
ils achètent le livre et Amazon vous reverse votre pourcentage. C'est pour ça que le choix de la thématique est si importante et que évidemment vous pouvez faire un truc spécial roman d'horreur et toucher plein de gens et expliquer pourquoi tel roman d'horreur déchire ou tel roman d'amour déchire, mais vous pouvez aussi choisir de la thématique loisir. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée, ça permet de gagner de l'argent avec de l'affiliation Amazon sans montrer son visage. Ça va vous rapporter un peu d'argent, mais il faut bien admettre que les commissions affiliées Amazon ne sont pas énormes, donc il faut quand même avoir du trafic pour que ça soit significatif. Mais il y a un deuxième effet qui se coule, qui lui va vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent en utilisant cette stratégie. Ce deuxième effet qui se coule, ce deuxième étage de la fusée, je vais l'expliquer dans la newsletter que je publie demain sur Traffic Mania. Donc si vous regardez cette vidéo le jour de son lancement, allez tout de suite vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania en cliquant sur le lien qui est dans la description. Parce que demain matin, je vais poursuivre l'enseignement de cette vidéo et je vais vous donner le deuxième effet qui se coule, donc la deuxième stratégie qui va vous permettre de maximiser vos revenus et là de vraiment gagner plusieurs milliers d'euros par mois. En plus de ça, en étant inscrit à la newsletter, vous recevrez un guide copywriting, une formation sur le trafic et bien sûr tous mes futurs conseils marketing. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, vous cliquez sur le lien dans la description, vous vous inscrivez à la newsletter et demain, je vous envoie la suite de mes conseils.